Donc, on va commencer comme ça et je mets tout de suite, voilà, la présentation pour aujourd'hui. Alors, je vais faire une toute petite introduction puisqu'on s'est rendu compte en préparant ceci qu'il fallait que les gens connaissent un petit peu ce qu'était la théosophie et je voulais préciser l'importance de Krishnamurti. Donc, Vincent Carlier va nous parler, je présenterai tout à l'heure Vincent, va nous parler de Krishnamurti qui est une des très grande figure spirituelle du XXe siècle. Alors, il est parfois connu, parfois totalement inconnu, mais le fait que vous soyez ici prouve quand même que son nom a attiré votre attention. On peut dire qu'il incarne en fait la transformation de l'espace spirituel et religieux en gestation déjà depuis 2 siècles de l'Occident et espace religieux qui va en fait donner lieu à de multiples transformations, surtout dans la deuxième moitié du XXe siècle, et évidemment de nos jours encore. Alors, vous verrez qu'il n'a pas eu véritablement beaucoup d'adhérents au sens propre du terme, et même lorsqu'il avait des gens autour de lui, c'était relativement peu, et même de nos jours après sa mort, même si peu de gens suivent encore son enseignement, on peut dire que sa démarche tient en germe, contient en germe, celle d'un assez grand nombre d'individus qui cherchent par eux-mêmes ce qu'ils estiment être la vérité. Et donc, c'est-à-dire en dehors de toute institution, qu'elle soit religieuse ou même spirituelle. Et en fait, c'est une évolution qu'on voit se dessiner depuis déjà le XVIIIe siècle, où, à partir même des Lumières, bien entendu, on a voulu éliminer. Alors évidemment, la plus grande et horrible à leurs yeux institution qui était l'Église catholique romaine, hein, et on a vu se détacher de ces mouvements, le fameux déisme, etc. Mais aussi, c'est la période des grands voyages, et beaucoup d'érudits vont s'intéresser à ce qui se passe en dehors de l'Europe. Ce sera notamment des jésuites. Alors évidemment, eux, ils sont au cœur de l'institution, mais d'une manière quand même assez originale, hein. Ils ne sont pas purement des catholiques institutionnels. Et aussi beaucoup de chercheurs indépendants, beaucoup de francs-maçons qui vont s'intéresser aux traditions de l'Asie, et notamment évidemment de l'Inde, à l'hindouisme, au bouddhisme, etc. Et les premières traductions de ces textes, et donc qui vont permettre ensuite l'intérêt des Occidentaux pour ces religions, spiritualité, peu importe le terme, datent de cette époque-là. Alors le premier que je vous cite, encore une fois, j'essaie de vous donner un contexte pour mieux comprendre Krishnamurti, c'est quelqu'un qui s'appelait Abraham Hyacinthe Anquetil Duperron, qui est né en 1731 et mort en 1805, et qui est parti avec la Compagnie des Indes orientales pour aller chercher les livres de Zoroastre, puisque évidemment Zoroastre, le zoroastrisme est perçu comme étant à la source de toutes nos religions. Et il a ramené des volumes, des Védas et de l'Avesta, qui est le grand livre des Zoroastriens, que lui avait confié un jésuite. C'est pour ça qu'il ne faut pas imaginer que c'était simplement tous des déistes ou des francs-maçons qui partaient faire des recherches. Et Anquetil Duperron a traduit des extraits des Upanishads en latin. Et c'est à partir de son travail qu'on a pu donc commencer à étudier un petit peu l'hindouisme. Ça a été traduit après en anglais, etc. Et c'est ainsi qu'arrive au XIXe siècle la fameuse théosophie, on met une majuscule pour la distinguer de la théosophie qui est avec une minuscule et qui est un courant chrétien. Donc la théosophie avec une majuscule, c'est une société au départ qui a été fondée par une Russe, Elena Petrovna Blavatsky, je vous ai mis un petit texte, hein, donc je ne vais pas répéter ça, qui est russe et qui va voyager au Tibet, en Inde, un petit peu partout en Asie. On n'est pas sûr qu'elle ait véritablement visité tous les pays qu'elle prétend avoir parcourus, mais qui va, si vous voulez, absorber tout ce que le siècle a pu donner comme éclectisme, puisque vous savez que le 19e siècle, c'est un siècle qui va rassembler tout un tas d'influences, aussi bien au niveau de l'art, de l'architecture, etc., etc. Et donc, elle va collationner toutes les croyances, ou quasiment toutes, en dehors du champ chrétien, puisqu'elle a des gros problèmes aussi avec le christianisme, et elle va accuser surtout l'Église de Rome, mais en général le christianisme, d'obscurantisme. Alors, le mouvement, tous ces mouvements-là, au 19e siècle, vous allez en avoir d'autres aussi, vous avez le spiritisme, le mesmérisme, etc., etc. L'idée va être de démontrer, alors, soit que
les chrétiens ont raison, l'esprit existe, c'est une force matérielle, presque visible, comme on, en tout cas qu'on peut entendre, comme avec le spiritisme, hein, faire tourner les tables, parler aux morts, etc. Ou au contraire, l'autre branche qui va plutôt venir du déisme, c'est que l'esprit existe, mais on n'a pas besoin d'église, on n'a pas besoin d'institution pour pouvoir accepter son existence. Voilà. Et évidemment, vous voyez comment c'est lié également au travail de la gnose, qui depuis déjà des siècles estimait que le salut ne pouvait venir que de la connaissance individuelle. Donc avec un maître éventuellement, un enseignant, mais la connaissance est en soi et il ne faut surtout pas d'institution parce que l'institution freine la connaissance pour garder le pouvoir. Donc Krishnamurti, il faut le voir comme un produit d'abord de l'hindouisme, ça Vincent va l'expliquer, mais également de tous ces mouvements qui vont, si vous voulez, déplacer la quête de la spiritualité en dehors de tout ce qui peut être institutionnel, vers le seul individu. Alors, maintenant, je présente Vincent. Il est dans le Midi, hein, il est diplômé en droit, sciences politiques et management, qu'il a obtenu, tous ses diplômes, il les a obtenus à l'université de Nice et à celle d'Aix-Marseille. Et il a écrit un ouvrage qui s'appelle « Le guide de l'instructeur des demandes de subventions ». Alors ça, c'est toujours très pratique. Et ensuite, il a repris des études et il s'est inscrit dans le Master Religion et Société à l'Université Bordeaux-Montaigne. Et il a fait un mémoire sous ma direction, justement, sur Jiddu Krishnamurti, sur ses enseignements et surtout, et ça, ça a été sa partie originale, hein, personnelle, sur les organisations qui se réclament de sa pensée. Et il en a publié dans quelques pages dans le journal qui s'appelle Mouvement religieux, qui est publié à Sarreguemines, ce dont parlait tout à l'heure Benjamin, puisqu'il a publié également un article là-dessus. Et Vincent donne des conférences sur le sujet, ainsi que tout, sur tout un tas d'autres sujets connexes, spiritualité laïque, métacognition, etc. Et il fait actuellement des recherches sur les pratiques religieuses contemporaines et traditionnelles qui sont associés aux rêves lucides et sur la communication également de Hillsong en tant qu'église pentecôtiste. Voilà, il travaille également avec un autre enseignant de notre équipe, hein, Étienne Damom. Et voilà. Donc, maintenant, je ferme ce que j'avais mis là et je le ferme et vous n'aurez plus que le PowerPoint qui est ici et que je vais donc laisser Vincent diriger. Allez-y, Vincent, je vous donne la parole. Merci Bernadette pour cette petite contextualisation et la présentation. Donc, je vais vous présenter ici Krishnamurti. Alors, on va aller assez vite parce que la dernière fois, on s'est un peu perdu dans sa biographie et c'est vrai qu'elle est passionnante et elle prend, ça prend vite beaucoup de temps de la détailler. Mais donc, on va essayer de la résumer encore plus que la dernière fois. Ensuite, on va aborder les grandes lignes de son enseignement. Qu'est-ce qui fait l'originalité de Krishnamurti en tant qu'enseignant spirituel, notamment les questions d'abolition de la relation maître-élève, de la tradition, etc., qui poussent quand même cette logique extrêmement loin, et donc voilà, qui fait son originalité. Ensuite, je vais aborder le cœur un petit peu des recherches que j'ai fait au cours de mon mémoire, qui sont les organisations les organisations qui portent l'enseignement de Krishnamurti aujourd'hui et depuis le milieu du XXe siècle environ, et en faisant un petit peu un détour aussi sociologique par qui sont les Krishnamurtiens, comment s'organisent un petit peu les relations à l'intérieur de ces organisations. Et enfin, donc ces organisations sont relativement modestes tout de même, et donc on va essayer de, je vous présenterai rapidement aussi comment est-ce que l'héritage de Krishnamurti se perpétue à travers d'autres mouvements religieux ou d'autres courants philosophiques finalement. Alors, donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de son enfance, de sa période théosophique et puis de l'autonomie et ensuite comment il va aborder son enseignement spécifiquement. D'accord. Alors, Krishnamurti, donc, c'est le huitième enfant d'une famille indienne, il naît dans le sud de l'Inde, et donc c'est le huitième enfant d'une famille de brahmanes, à savoir que bien que ce soit la caste la plus élevée dans ce pays, cette famille est très pauvre, et donc Krishnamurti s'appelle Krishnamurti, ce qui veut dire qu'il a la forme du dieu Krishna,
en sanskrit. Et en fait, c'est un prénom traditionnel qui est donné au huitième enfant. Mais dès tout petit, ses parents, après des visions, après avoir consulté un astrologue et autres, sont persuadés que Krishnamurti a un destin spirituel très particulier. Et donc, bah, tout de suite, comme tous les enfants garçon de famille brahmane, il commence à être formé à sa future charge sacerdotale. Et, mais par ailleurs, il faut savoir que cette famille est aussi théosophe. Et donc, le père de Krishnamurti l'emmène dès tout jeune aux conventions de la société théosophique, à différents événements qui se tiennent dans le centre de Adyar, pas très loin de Mandanapalé, là où Krishnamurti naît. Donc, Krishnamurti est un élève pas très brillant, qui a pas mal de difficultés sociales. La famille s'enfonce dans la précarité, notamment après le décès de la mère. Il y a plusieurs enfants qui meurent aussi, plusieurs de ses frères et sœurs qui meurent pendant cette période. Et finalement, le père de Krishnamurti va être obligé de supplier Annie Besant de le... Lui, il est à la retraite à présent, il doit également s'occuper de la famille de sa sœur. Et donc, en fait, le père de Krishnamurti va un peu supplier Annie Besant et la société théosophique de l'accueillir, de lui trouver un poste pour arriver à subvenir aux besoins de sa famille. Donc, dans ce cadre-là, par contre, je n'ai plus le PowerPoint. Non, donc... ben, c'était pour qu'on vous voie. C'est exprès que je l'avais... Excusez-moi. D'accord, c'est pas grave. C'est bon, je le remets. C'est pas grave. De toute façon, je continue sur, sur cette voilà, période-là. Donc, pour qu'on vous voie. La société théosophique, après pas mal de réflexions, Annie Besant finit par accepter que le père de Krishnamurti et sa famille s'installent donc à Adyar, juste à côté du centre des théosophes. Et un jour, Krishnamurti et son petit frère Nitya, qui aura une place importante, se retrouvent à jouer sur la plage du golfe du Bengale. Et Charles Webster Leadbetter, qui est un peu l'éminence ésotérique de Annie Besant et de la théosophie, à cette époque, va repérer Krishnamurti et va tout de suite reconnaître en lui le futur véhicule de Lord Maitreya, donc cette réincarnation de Bouddha, de cette entité qui a inspiré un peu tous les grands enseignants spirituels selon la théosophie. Et donc, à partir de là, Krishnamurti a 14 ans et il devient immédiatement donc, le futur instructeur de l'humanité. L'ordre de l'étoile est fondé pour qu'il devienne, il est appelé à en prendre la tête à sa majorité. Et à partir de là, il devient vraiment une partie de la société théosophique, dont Annie Besant, la présidente, le présente réellement comme le Messie, le nouveau Messie, le nouvel instructeur de l'humanité. Donc, il y a pas mal d'ouvrages qui vont être écrits à son propos pour raconter toutes ses vies antérieures, comme quoi il aurait été un des compagnons de Bouddha. Il va lui-même écrire des livres alors que tout enfant, il ne sait pas parler l'anglais, il ne parle que le Telugu. Et donc, il y a pas mal de questions sur ces livres qu'il aurait écrits tout jeune, à 15 ou 16 ans. Et donc, une partie de la théosophie va complètement adhérer à cette logique messianique de Krishnamurti comme nouvel instructeur. Et une autre partie, notamment Rudolf Steiner, qui va faire un schisme en 1912, parce qu'en fait, il va se désolidariser de cette idée selon laquelle Krishnamurti est le retour du Messie, considérant, parce qu'il y a une branche assez chrétienne dans la théosophie et moins orientaliste, et il va considérer que le Messie est déjà venu et qu'on n'a pas besoin d'un nouveau Jésus-Christ. Et donc, c'est là qu'il va créer l'anthroposophie. C'est Krishnamurti qui crée le schisme à l'intérieur de la théosophie, qui va créer d'un côté l'anthroposophie de Rudolf Steiner, qui sera rejoint par de grands noms comme Édouard Chouret en France, et la société théosophique. Donc, partant de là, les théosophes commencent à être un petit peu embêtés par cette situation et par les doutes que cette annonce du nouveau Messie génère chez les théosophes, notamment européens, parce que les théosophes installés en Inde sont vraiment assez enthousiasmés par cet enfant. Et donc, Annie Besant et Leadbetter ont décidé de l'envoyer en Angleterre déjà pour parfaire leur éducation victorienne, pour qu'ils finissent d'apprendre l'anglais, etc. Mais aussi pour qu'ils rencontrent les théosophes européens et que ceux-ci tombent également sous le charme de cet enfant qui n'a aucune trace d'ego.
c'est le, c'est la, la, sa caractéristique principale, son aura n'a aucune trace d'ego et donc il est complètement vide pour recevoir Lord Maitreya lorsqu'il sera prêt et que Lord Maitreya aura décidé de descendre sur lui. Et donc, en fait, pendant cette période en Angleterre, Krishnamurti va échouer tous ses examens, il va rentrer dans aucune école, soit parce que, par exemple, à Oxford, le directeur de l'institution ne veut pas avoir affaire avec un messie à la peau brune, selon ses termes, ou alors à l'université de Londres, par exemple, où il échoue tout simplement aux examens. Et donc, cette période va être assez difficile. Il part, lui, mais il part aussi avec son frère Nitya, qui est censé vraiment être l'un de ses apôtres au cours de sa mission. Et donc, les deux frères vont se retrouver en Angleterre, assez isolés. Cette période va durer une dizaine d'années. Donc, il est complètement coupé de sa famille par la théosophie. On lui interdit même de parler le Telugu, sa langue maternelle, jusqu'à ce qu'il finisse par quasiment l'oublier. Et donc, cette période se poursuit un peu. Et ça va vraiment marquer le début du doute de Krishnamurti. On a des lettres de Krishnamurti en 1915, où il a vraiment très à cœur sa mission, où il veut vraiment devenir l'instructeur de l'humanité pour faire plaisir à Annie Besant et à Lit Better notamment. Mais à partir de là, il va commencer à vraiment douter de sa mission. Et donc, dès qu'il a 18, 19, 20 ans, il va tout de suite commencer à douter de sa mission et de ce rôle messianique qu'on veut lui faire jouer. Il va douter des rituels de la théosophie et autres. Donc, à partir de là, à la fin de la guerre, et puis quand il retourne, d'abord, il est présenté en Europe, mais en Europe, la bonne société européenne découvre en fait un jeune homme d'une vingtaine d'années qui est plus intéressé par le tennis et les automobiles que par sa mission de prophète. Et il va ensuite être allé en Inde, et pendant toute cette période-là, il va être tout au cœur de factions qui s'opposent autour de la mission qu'il a à jouer. Et donc, pour vous résumer un petit peu cette période un peu compliquée, on arrive en 1922, où en fait, Krishnamurti et Nitya vont arriver pour la première fois à Ohio, parce que Nitya est malade de la tuberculose. Et donc, il s'installe là-bas parce que l'air... Alors, il faut quand même, Vincent, oui. Il faut dire, à Ohio, vous faites le grand pas. Là. Ils étaient d'abord en Angleterre. Donc, ils sont... Ohio, c'est une petite ville qui est au nord de Los Angeles. Hein. C'est ça, Ohio, c'est une petite ville au nord de Los Angeles. Donc, comme je dis, ils ont quitté l'Angleterre quand Krishnamurti avait environ un petit peu plus de 20 ans. Ensuite, ils ont fait toute une pérégrination pour aller à différents congrès de la théosophie, etc. Et ils arrivent aux États-Unis, à Ohio, au nord de Los Angeles, qui est un centre théosophique. Les deux frères s'y sentent bien. Et donc, Annie Besant va leur acheter une propriété, une sorte de ferme où les deux frères vont s'installer et où ils vont fréquenter un peu la... Des jeunes personnes comme eux qui sont pour la plupart enfants de théosophes. Sauf qu'à Ohio, il va se passer quelque chose de très particulier que la postérité nommera le processus. Et donc, en fait, le processus, c'est un jour Krishnamurti est en train de méditer sous un poivrier dans la montagne, pas loin de la ferme que Annie Besant a acquis pour eux. Et il est pris d'une expérience spirituelle très intense, à la fois très intense et très douloureuse, qui va complètement modifier sa perception de la réalité. Et en fait, tous les soirs pendant un an, donc jusque même un peu plus d'un an, jusqu'à l'automne 1923, il va être saisi par ce processus qui est pendant ces périodes, il discute avec des maîtres, il reçoit des enseignements. C'est vraiment toute une initiation immatérielle qu'il va vivre pendant toutes les nuits de cette année, en fait, très douloureuse. Donc, certains vont considérer que c'est le samadhi, d'autres l'éveil de la kundalini, d'autres vont considérer qu'en fait, Krishnamurti était épileptique ou faisait des crises de paludisme. Donc, chacun son... sa perception de l'événement. En tout cas, lui, il va vraiment vivre ça et son frère vont vivre ça comme le fait qu'ils ont vraiment une mission à jouer, tous les deux, pour l'instruction de l'humanité, pour l'instruction spirituelle de l'humanité. La théosophie va vraiment commencer à s'emballer, à communiquer sur les nouveaux apôtres, la nouvelle religion mondiale, alors que Krishnamurti est en train de découvrir ce qui se passe et a envie de se laisser du temps, la théosophie va vraiment rentrer dans un messianisme imminent et un peu hystérique aussi, et ça va à nouveau
générer des doutes chez Krishnamurti, qui croit de moins en moins aux rituels, aux dogmes de la théosophie. Et donc, le moment où il y a une vraie rupture dans son parcours, c'est le moment où Annie Besant, Leadbetter, toutes les instances de la théosophie insistent pour qu'il aille au jubilé de la théosophie en Inde. Son frère est très malade, il hésite parce qu'il n'a pas envie de le laisser seul dans cet état-là. En fait, non seulement toutes les éminences de la théosophie vont lui dire que c'est sûr de sûr que son frère a un rôle à jouer et que donc il ne peut pas mourir maintenant, et lui-même va voir le maître qui l'initie sur un autre plan que la réalité, il va le voir et le maître va lui dire que Nitya ne mourra pas. Donc, il se décide à aller au jubilé, comme tout le monde le lui demande. Et pendant qu'il est en train donc, de partir d'Orail et qu'il est en train de se diriger vers l'Inde, là, son petit frère meurt. Il reçoit sur le bateau un télégramme comme quoi il est mort. Et donc, c'était sa dernière famille. C'était la personne à laquelle il tenait le plus. Et ça le détruit vraiment. Il tombe dans un désespoir absolu qui va durer plusieurs jours où il ne va pas boire, pas manger et rester complètement prostré. Et au bout de quelques jours, il sort de la cabine de son bateau. Et là, tout le monde le décrit comme quelqu'un de nouveau, un autre regard, une autre présence. Et en fait, il aura vécu son désespoir à fond. Et quand il arrive, il se sera complètement libéré, enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il le décrit, il se libère complètement de toute la condition humaine, finalement, en allant au plus profond de la souffrance. Et quand il arrive en Inde, il commence à avoir un discours qui va rentrer frontalement en opposition avec les thèses théosophiques. Pour ne citer que deux exemples et arriver rapidement à sa rupture définitive, pour ne citer que deux exemples, par exemple, en 1926, il commence à parler de que les personnes qui veulent vraiment rencontrer Dieu, qui veulent vraiment trouver la vérité, doivent trouver leur vérité intérieure. Et en fait, la théosophie, ce n'est pas du tout sa thèse. Sa thèse, c'est de suivre la voie du disciple, donc une série d'initiations qui mène progressivement à la révélation de la vérité. Et Krishnamurti dit non, le disciple doit trouver la vérité à l'intérieur de lui, pas sur cette voie qui est enseignée par la société théosophique. Autre détail qui vraiment révulse les principaux dirigeants de la théosophie, c'est le fait qu'il il commence à dire « je » quand il parle de Lord Maitreya, en prétendant que lui et le maître ont complètement fusionné. Et donc ça, ce n'est pas du tout la théorie de la théosophie, parce que Lord Maitreya ne s'incarne qu'à certains moments à l'intérieur des grandes personnes qui lui ont déjà servi de véhicule. Jésus, par exemple, n'a pas toujours été le Messie. Il a été le Messie pour la théosophie entre ses 30 ans et ses 33 ans, au moment où le Lord Maitreya s'est incarné en lui. Et donc, Krishnamurti prétend qu'à vie, ça y est, il est Lord Maitreya, et maintenant, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il est, tout ce qu'il dit, relève de ça. Et donc, la société théosophique va entrer en conflit ouvert avec lui, considérant que c'est qu'un magicien noir a pris possession de son esprit, etc. Manifestement, il a essayé de réformer la société théosophique en voulant faire fermer la section ésotérique, etc. Ça ne marche pas. Et donc, en 1929, à la convention de l'Ordre de l'Étoile, donc l'Ordre de l'Étoile, c'est cette organisation qui est là pour préparer le monde au message de ce nouveau Messie. Et en fait, il décide de dire en 1929 que il n'est pas le Messie, que personne ne peut enseigner la vérité, que la vérité est un pays sans chemin et que chacun doit la trouver à l'intérieur de lui. Et à partir de là, il dissout l'Ordre de l'Étoile, il quitte la société théosophique et il se lance dans son chemin personnel. Très bien. On a oublié quelque chose qui est de dire sa date de naissance. Alors, 1895, et il est mort en 1986, donc relativement, il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà. Alors, je passe maintenant à la suite. Donc, quelques photos ici. Donc, c'est vous qui me l'aviez donné, je crois. Voici Krishnamurti, très jeune, là, qui fait très indien. Et puis à droite, c'est Annie Besant et Dr Raja Gopal, ici, je suppose. Alors, maintenant, voilà d'autres photos de lui. Ça, c'est à la fin de sa vie, bien sûr. Et nous passons maintenant à son enseignement. Alors, je vous laisse la parole, Vincent. Vous allez nous expliquer en quoi il est complètement différent. Enfin, son enseignement est complètement différent
de celui de de la théosophie, mais également du christianisme et même de l'hindouisme traditionnel. Et également de la scientologie, en effet. Également de la scientologie. Mais on a assez parce que je viens d'admettre Éric Roux. Voilà. Mais peut-être qu'Éric va nous dire qu'il se sent comme Lord Maitreya et Krishnamurti la prochaine fois. Très bien. Alors oui, donc à partir de là, il va développer ce message de, et cette phrase est très importante, très intéressante, il aura l'occasion de la répéter souvent, la vérité est un pays sans chemin. C'est-à-dire que personne ne peut nous y mener, il n'y a aucun rituel, aucun enseignement, aucune doctrine, aucune logique qui peut nous permettre d'y accéder. Donc toute sa vie, après, le vocabulaire, la somme des ouvrages qu'il a fait est absolument colossale, parce que toutes ses conférences beaucoup de ses conférences ont été retraitées, transformées en ouvrages, il a lui-même écrit quelques ouvrages, enfin bon, c'est vraiment un puissant fond quoi, de se lancer dans les ouvrages de Krishnamurti et dans les ouvrages qui parlent de son message, les biographies, etc. Mais même si la forme du message change au fur et à mesure de sa vie, le fond reste toujours le même, c'est pour atteindre la vérité, il faut déconditionner son esprit de toute la coquille, de tous les murs de conditionnement en fait qui s'interposent entre nous et la réalité, entre nous et la vérité. Il reprend finalement un petit peu l'idée de la grande illusion dans le bouddhisme, sauf qu'en fait le monde n'est pas une illusion pour Krishnamurti. Ce qui est une illusion, c'est le regard qu'on porte dessus. C'est-à-dire qu'en permanence, quand j'observe quelque chose, quand j'ai une relation avec quelqu'un, je mets sur la personne toute une série de représentations, toute une série d'adjectifs, de mots. Et donc, même le verbe, même le mot, finit par se substituer à la relation vraie, à la relation intense, qui est vraiment un rapport immédiat avec la création, qui du coup est quelque chose de très absolu, quoi. Et donc, il faut déconditionner son esprit. Ça va vraiment très, très loin, quoi. Enfin, on parle souvent de radicalité en religion, mais en fait, là, c'est l'aboutissement total de la radicalité, dans le sens où il n'y a plus de nation, il n'y a plus d'idéologie, il n'y a plus de famille, il n'y a plus d'attachement. D'une certaine manière, il n'y a même plus d'amitié, parce que la personne que je rencontre est toujours quelqu'un de neuf que je dois regarder sans aucun conditionnement. Et donc, je lui porte un amour inconditionnel, parce qu'il est toute l'humanité. Vraiment, ça a des conséquences, des implications extrêmement profondes et extrêmement radicales. Donc, c'est compliqué de parler de méthode, c'est compliqué de parler de la pensée de Krishnamurti tout court, en réalité, parce qu'il ne crée pas de concept, parce que tout concept est conditionnement. Une fois que j'ai créé un concept, une logique philosophique, ensuite, je vais m'attacher à ce que cette logique, à faire coller le monde à cette logique philosophique. Je ne vais plus regarder le monde tel qu'il est. Et donc, c'est vraiment un des gros problèmes de Krishnamurti quand on essaye de résumer sa pensée, parce que lui-même dit, on ne peut pas résumer ma pensée, on ne peut rien résumer, on ne peut pas interpréter, on ne peut... Donc, on est toujours dans cette ambivalence. Mais si on lit attentivement les textes, grosso modo, il y a trois étapes. La première étape, c'est notre situation, parce que pour Krishnamurti, tout le monde est dans cette situation, mis à part lui, grosso modo. C'est nous sommes complètement hypnotisés, omnubilés par nos pensées. Nous croyons que nos pensées sont la réalité, alors que pour Krishnamurti, nous ne les avons même pas créées. C'est-à-dire que le penseur croit qu'il est penseur, alors qu'en fait, il n'est qu'une caisse de résonance des pensées qui lui ont été données au cours de discussions, au cours d'impressions qu'il a eues, et plutôt que de les laisser passer, de se laisser traverser par ses pensées, par ses émotions, etc., on les cristallise et on les inscrit dans le temps. Et donc, c'est tout le problème, et qui fait qu'on est complètement illusionné, incapable d'amour, incapable de comprendre le vrai, etc. La deuxième phase, en fait, c'est de prendre conscience de ça et d'observer le mouvement de sa pensée. C'est ce qu'on appelle la métacognition, c'est-à-dire se placer non pas en tant que... Ne prendre ce recul, se placer en tant qu'observateur de sa propre cognition et donc du flux de pensée, d'émotion, d'envie qui peut nous traverser. Et donc, on se positionne en observateur et petit à petit, ce simple fait d'observer va nous déconditionner. Dans le sens où si je suis en colère, je suis en colère.
ou si j'ai peur, j'ai peur. Alors que si je me place en observateur de cette peur ou de cette colère, je ne vais plus en être l'esclave, parce que quand bien même j'en ressentirais les manifestations physiques, je ne la prendrais pas comme vérité pleine et entière. Et donc, petit à petit, il n'y a pas de petit à petit chez Krishnamurti, c'est soit je suis conditionné, soit je suis déconditionné, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de processus. C'est-à-dire que quand bien même, au bout d'une vie de travaux, je réaliserai la chose, pendant toute cette vie, j'aurai été conditionné, et d'une seconde à l'autre, j'aurai enfin compris la vérité. Donc, la métacognition qui nous emmène progressivement à une nouvelle sorte de conscience. Donc, il l'appelle otherness, il l'appelle aussi immesurable. Donc, c'est une forme d'autreté, de détachement total qui ne peut pas être décrit. Parce que si je la décris, si je vous dis que c'est une lumière, c'est un bien-être, vous allez vous en faire une idée et vous allez courir après cette idée. Idée qui est un conditionnement. Et donc il se positionne là-dessus. Et pour arriver à faire ce passage entre l'illusion des pensées et l'autreté, cette chose qui est tout autre et qui ne peut pas être décrite, il faut complètement abolir le passé, tout ce qui s'est inscrit dans ma conscience au fur et à mesure de ma vie, il faut que je l'oublie, parce que chaque minute est complètement neuve. Il faut s'extraire de l'autorité. À chaque fois que je suis dans une relation d'autorité, de maître-élève, à chaque fois que je m'inscris dans une institution, notamment spirituelle, pour chercher la vérité, Krishnamurti dit, ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer très rapidement à vouloir... au début, vous allez venir vers cette institution en cherchant la vérité, et puis ensuite, votre seule obsession, ça va être de coller aux règles. Et donc, en fait, de vous conditionner au maximum en espérant atteindre la vérité, alors que la vérité est beaucoup trop grande pour être conditionnée, pour être circonscrite, et elle ne peut être qu'individuelle. Donc, c'est pour ça que la relation maître-élève est complètement inutile et absurde pour Krishnamurti, dans le sens où quand bien même le maître aurait vécu l'illumination, aurait découvert cette autreté, aurait découvert cet immesurable, vivrait en permanence avec, en réalité, il ne peut pas le communiquer parce que c'est la personne qui doit se déconditionner par elle-même. Donc, abolition de la tradition également. Ça génère deux choses. Donc, d'abord, je vais revenir sur tout est présence, c'est-à-dire que le temps n'existe pas. Le temps psychologique est une illusion. Nous ne vivons que dans l'instant présent. L'instant présent, ce n'est pas la journée, ce n'est pas la période de ma vie, ce n'est même pas la soirée. C'est vraiment de fraction de seconde par fraction de seconde, je dois m'inscrire dans ce mouvement du temps pour être complètement attentif à ce qui vient et être dans une attention telle qu'il n'y a pas de conditionnement et il n'y a pas d'idées, de préconçus qui peuvent se superposer. Donc, d'être dans cette présence en permanence, là, on retrouve un concept assez classique en hindouisme ou en bouddhisme, c'est l'acte juste. Donc, c'est l'acte déconnecté de toute attente, de toute notion de moralité, de bien et de mal, etc. C'est je suis vraiment dans cet acte qui ne crée pas le karma, qui ne s'ajoute pas au poids du karma. Donc, dans un acte qui ne vient de nulle part et qui ne veut aller vers nulle part non plus. Ça crée une forme de salut, si on peut appeler ça un salut, qui est assez particulière dans le sens où Krishnamurti ne nous propose pas un salut ultramondain, comme le christianisme, où après la mort, on pourra accéder au paradis. Ça ne génère pas non plus de salut intramondain, au sens où dans le bouddhisme ou dans le yoga, certaines personnes arrivent à un point d'éveil, et une fois qu'ils sont éveillés, ils ont découvert... cette autre manière de vivre, et ils le sont pour toujours. Alors que chez Krishnamurti, je peux l'être à condition que je sois attentif, mais si je me déconcentre ne serait-ce qu'une seule seconde, tout s'évanouit, parce qu'à ce moment-là, tout le conditionnement revient, tout le truchement de la pensée revient s'interposer entre la vérité et le monde tel que je le vis. Et donc, Krishnamurti va se positionner dans cette... Pour Krishnamurti, le moment où il s'exprime, c'est une méditation à voix haute. Tout est méditation dans la vie, du coup, vu qu'on est toujours dans cette situation d'attention totale.
Et donc, écouter sa parole, il ne faut surtout pas s'attacher aux mots de Krishnamurti pour en faire une doctrine, pour en faire une logique. C'est pour ça qu'il change aussi souvent de sa terminologie, pour éviter qu'on s'accroche à essayer de définir, à essayer de comprendre précisément ce qu'il dit. Il suffit de l'écouter d'être dans cette hyper-attention, ne pas hésiter à critiquer aussi et à voir ce que ça génère en nous comme sentiment désagréable, comme contradiction à l'intérieur de nous. Mais il faut observer ces contradictions pour les dissoudre et finalement arriver à dépasser le conditionnement. Voilà, c'est un petit peu compliqué, mais grosso modo, si on peut le résumer en 5 ou 10 minutes, c'est ça les grandes lignes de l'enseignement de Krishnamurti. Très bien, Vincent. Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant de la manière qu'il a choisi hein, de quand même d'enseigner, puisqu'évidemment il faut tout trouver en soi, mais il a quand même donné des pistes. Alors là, c'est moi qui ai commenté quand on faisait le PowerPoint avant que Vincent le revoie. Ça, c'est une photo que j'ai trouvée sur internet de 73-74 à Ojai, où il parle, il est là-bas sur l'estrade, et voilà les gens. Et alors, moi, c'est exactement la période où je l'ai écouté aussi. Alors, je ne pense pas être au premier plan là. Je me souviens que je me mettais plutôt près de l'estrade. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez imaginer Bernadette Rigalcellar quelque part dans la foule. Ça m'a beaucoup amusée de voir ça. Surtout qu'en plus, même s'il a quitté la théosophie, comme on en a déjà parlé, il a quand même vécu une grande partie de sa vie à Ojai, qui est le haut lieu des groupes théosophiques aux États-Unis. Alors, ensuite, le voici quand il parlait sur son podium. Moi, je ne me souviens pas qu'il y ait eu beaucoup de micros, mais apparemment, là, il est assez vieux, donc c'est peut-être un petit peu plus tard. Mais c'était très organisé, mais il était assis de façon très simple, et il parlait à la foule. Alors, maintenant, voilà, est-ce que vous pouvez, Vincent, nous parler donc de ce qui se passe, disons, une fois qu'il a parlé, qu'est-ce qui va se passer, et de nos jours, qu'est-ce qu'on peut trouver autour de sa pensée? Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand il quitte la théosophie, on est en 1929. Donc, il s'en va avec certaines notions qui restent. J'ai fait une analyse de son tout premier livre, Au pied du maître, donc j'essaye d'analyser qu'est-ce qui reste constant dans son message par rapport à la théosophie et de quoi est-ce qu'il se détache complètement. Mais quand même, il s'en détache, on l'a vu, sur des points fondamentaux. Et en fait, dès 1929, il va défendre cette hyper-autonomie du sujet, ce détachement total et l'absence d'institution, l'absence de maître, l'absence de tradition. Et donc, c'est quand même très précoce. Ce type de démarche religieuse va, sinon s'imposer, en tout cas devenir très populaire après la Seconde Guerre mondiale. Mais à l'époque, donc on est au tout début des années 30 et Krishnamurti a déjà fait voler en éclats, et Krishnamurti et les gens qui le suivent ont déjà fait voler en éclats la totalité des structures, des traditions, etc. Donc au début, il va se contenter d'une simple maison d'édition. Donc sur une photo précédente, on a vu Krishnamurti, à sa droite, il y avait Annie Besant, et encore à sa droite, il y avait Rajagopal. Donc Rajagopal, c'est l'une des personnes qui était pressentie pour être l'un de ses apôtres. Même à un moment donné, la théosophie s'est dit peut-être que ce sera lui le grand véhicule. Finalement, non. Et donc, il était pressenti pour être un de ses apôtres. Le moment où Krishnamurti quitte la théosophie, Rajagopal l'aide beaucoup, et donc il a à peu près le même âge que lui, et il devient son éditeur, parce que Rajagopal est un excellent juriste, il a fait de longues études, et donc il va s'occuper de ce messie qui est incapable finalement de s'occuper des tâches administratives et de toutes les contraintes de ce monde. Donc, pendant un temps, cette maison d'édition va suffire pour organiser ses conférences en Inde, en Amérique du Sud, en Europe, en Amérique du Nord, etc. Va éditer un grand nombre de livres aussi. Donc, pendant cette période-là, Krishnamurti va fréquenter Charlie Chaplin, Aldous Huxley, Indira Gandhi. Enfin, il va vraiment avoir des relations avec des personnes très importantes, très, très connues. Mais au cours des années 60, déjà, il passe beaucoup moins de temps en Californie, il passe beaucoup plus de temps en Inde, et il est vraiment déçu et il ne comprend pas bien pourquoi est-ce qu'au final, il est quelqu'un qui fait des conférences à travers le monde et qui vend des livres, mais il considère que personne n'a compris l'essence de son message, que personne ne l'a suivi sur la voie qu'il décrivait. Et donc, il considère que ce n'est pas suffisant. Et en plus, il se fâche avec Rajagopal,
pour toute une série de raisons qui ont donné lieu à des procès, etc. Si on veut faire un peu de people, je pense que l'une des raisons principales, c'est que Krishnamurti est parti avec la femme de Rajagopal, et donc ça n'a pas facilité leur relation, je suppose. Et donc en 1968, il s'est fâché avec tout le monde, enfin sauf son réseau indien qui est très proche de lui. Il s'est fâché peut-être pas avec tout le monde, mais avec pas mal de ses anciens proches. Et il va créer des fondations, quatre, donc il y en a une qui est la fondation hispanophone, une fondation américaine qui va récupérer l'ensemble des droits de la Krishnamurti Writings Incorporated, et une fondation indienne, et la fondation mère qui est la fondation anglaise, qui est la première à être créée en 1968. Donc c'est la Krishnamurti Foundation Trust qui est la tête de réseau à la fois des fondations parce qu'elle centralise la quasi-totalité des droits d'auteur et elle a quand même un ascendant moral sur les autres fondations, bien que évidemment comme il n'y a pas de maître, d'autorité, d'institution, les structures se refusent un peu à cette terminologie-là, mais en réalité il y a quand même une forme de leadership de la Krishnamurti Foundation Trust. Et en fait, c'est cette fondation-là qui chaperonne tous les comités à travers les pays. Donc, les comités, il en existe depuis les années 30, donc bien avant les fondations, pour organiser sa venue, pour organiser ses camps d'été en Suisse, pour organiser ses conférences en Argentine, etc. Mais en fait, elles vont toutes être rattachées à la fondation. Donc, ça reste quelque chose de très léger comme structure religieuse, entre guillemets, parce qu'en réalité, il s'occupe de l'édition, il s'occupe de maintenir les médias de Krishnamurti dans les formes les plus modernes. C'est eux qui ont tout numérisé. Aujourd'hui, on peut trouver des chaînes YouTube. Toutes les semaines, il y a de nouvelles archives qui sont restaurées, qui sont diffusées. Et donc, c'est eux qui s'occupent de tout ça. Ils ont des sites internet, mais en même temps, on n'est pas du tout dans une. Ils n'ont pas du tout d'autorité sur le message. C'est-à-dire que Krishnamurti les a créés aussi pour s'assurer que personne ne devienne son interprète, que personne ne récupère son autorité, son enseignement, et en devienne un petit peu le prophète, le nouveau pape du Krishnamurtisme. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir, du vivant de Krishnamurti, mais aussi après, qu'en fait, toute bonne idée pour communiquer Krishnamurti, pour le promouvoir, pour le mettre en avant, est toujours vécue de manière un petit peu paradoxale, dans le sens où un centre d'information, c'est quelqu'un qui va résumer le message et qui va l'expliquer de manière assez simple pour faire que les gens y adhèrent. Et la personne qui sera le chef ou l'administrateur principal de ce lieu d'information risque de prendre un ascendant. Et donc, en fait, c'est toujours très compliqué pour, comme on va le voir ensuite pour la communication, pour ces fondations. Enfin, ces fondations sont toujours dans une certaine ambivalence. Et il ne peut pas y en avoir de nouvelles qui soient créées. Quand Krishnamurti est mort, il a dit « pas de nouvelle fondation qui porte mon nom, pas de nouvelle école non plus qui porte mon nom », parce qu'il a fondé plusieurs écoles qui sont peu ou prou rattachées à ces fondations. Est-ce que celle de Brookwood Park, ça existe encore? C'est celle que je montre là. Oui, alors la Krishnamurti Foundation Trust a un grand terrain et de nombreux bâtiments dans le Hampshire, dans le sud de l'Angleterre. Donc c'est un lieu qui s'appelle Brookwood Park. Il y a Brookwood School qui est l'école la principale école qu'a fondée Krishnamurti, qui reçoit toujours beaucoup d'étudiants. Vous la voyez là, c'est bon? Moi, je la vois. D'accord, donc tout le monde doit la voir, très bien, oui, très bien. Et alors, du côté français? Et alors, je vais juste finir sur Brookwood Park. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un centre aussi, parce qu'il y a des centres de retraite. Donc, encore une fois, ce n'est pas un endroit d'endoctrinement, ce n'est pas un endroit où le message est interprété ou autre. Par contre, là, on ne le voit plus très bien, le diaporama s'est réduit. Vous ne le voyez pas? Vous ne le voyez pas? Alors. La forme, voilà, c'est parfait. Et donc il y a un centre à Brookwood Park, il y a d'autres centres Krishnamurti, notamment il y en a un en Inde, et puis il y en a un en France dont je dirai un mot. Et en fait, ce qui est curieux, c'est que Krishnamurti était encore vivant quand les plans du centre ont été validés, et en fait ce centre est
toute l'architecture répond à des principes d'architecture sacrée, à, il y a des formes géométriques symboliques de partout, vu du ciel, se centre à la forme d'une équerre et d'un compas, il y a un cloître à l'intérieur, il y a des énéagrammes, des piliers octogonaux, des salles de méditation octogonales, et dans le moindre détail, tout est géométrie, tout est symbolisme, alors que Krishnamurti ne supportait pas, ou en tout cas déclarait mépriser profondément le symbolisme, parce que si j'étudie les symboles, je conditionne mon esprit, j'étudie des idées conditionnées. Voilà, mais pardon Vincent, c'est absolument pas alors ce que je suis en train de montrer là. Si, le centre de Brockwood Park, c'est… C'est là qu'il y a la géométrie sacrée, oui. L'architecture sacrée, oui. C'est là que le centre est vraiment… comment dire, c'est frappant quand on y arrive et qu'on a ne serait-ce que quelques notions d'architecture sacrée. Tout est construit selon des principes de géométrie sacrée, de symbolisme ésotérique, etc. Et donc, c'est très curieux parce qu'à la fin de sa vie, il était déjà très malade quand les plans ont été validés, mais soit il a eu le choix et donc il a dit d'accord pour laisser ce dernier message, ce dernier paradoxe, soit en fait ses disciples l'ont trahi. Parce qu'à ce moment-là, ses disciples étaient peut-être des théosophes ou des amateurs d'architecture sacrée et se sont dit, après tout, on va faire un lieu qui répond aux principes symboliques que Krishnamurti critiquait. D'accord. Bon, donc voilà, pour cette petite… Et là, pour la France, alors, et pour Beaumont-la-Ferrière, je peux vous montrer. Alors, je trouve ça, c'est celui-là, hein. Alors, oui, mais c'est toujours la même diapositive. Le centre de Brockwood et celui de Beaumont-la-Ferrière. J'ai pas téléchargé d'image, mais je vous ai mis. Là voilà. Alors, je ne suis pas sur Facebook. En principe, voilà, c'est tout ce que je peux trouver comme image. Hein. C'est bon, vous la voyez là tous? Non. Non? Non, elle ne s'affiche pas en fait. Il n'y a que le PowerPoint qui est visible. Ah, ben, tout à l'heure, c'est bizarre parce que j'ai fait exactement pareil. Alors, attendez. Bon, bah, écoutez, je suis désolée, vous irez sur Internet le chercher. Hein, parce que tout à l'heure, ça, pour Brockwood, j'ai fait exactement pareil, vous l'avez vu. Et là, je ne sais pas pourquoi. Bon, ce n'est pas grave. D'accord. C'est moins joli. C'est dommage. Hein, il faudra mettre plus d'images dans les prochains diapos, en effet. Et donc, voilà, donc le centre de Brockwood, comme je dis, attire quand même pas mal de gens de l'international. Il y a l'école, il y a tout un tas de choses qui fait que c'est relativement confidentiel, mais c'est quand même un centre religieux actif, on va dire. Ensuite, en France, le comité, c'est une petite association. Il y a une centaine de membres. Ce qu'on appelle le centre français, donc le centre de Beaumont-la-Ferrière, donc Beaumont-la-Ferrière, c'est un tout petit village dans la Nièvre. Et donc, ils ont racheté une maison qu'ils ont retapée. Une espèce de vieille bâtisse. Là, pour le coup, il n'y a aucun symbolisme, il n'y a même pas un portrait de Krishnamurti. Enfin, bon, on est vraiment dans le respect de cette parole-là, quoi, qui ne veut pas d'incarnation du message, qui ne veut pas créer toute cette iconographie, quoi, qu'elle soit symbolique ou personnalisation. Donc, c'est vraiment, en France, il y a quelques discussions qui se tiennent tous les mois à Paris, au centre des associations du 11e arrondissement. Il y a ce peu, donc en plus avec le Covid, je ne sais pas ce qu'il en est. Déjà, ça avait été compliqué parce que ça se tenait le samedi avec les gilets jaunes. Ça avait tout désorganisé quand je les avais rencontrés. Beaumont-la-Ferrière est un centre où ils reçoivent du monde. Je pense que, je détaillerai un petit peu plus ce qui s'y passe dans les prochaines diapositives. Alors, justement, allez-y. Alors, qui sont les Krishnamurtiens? Qu'est-ce qu'ils font? Moi, j'ai passé 15 jours, 3 semaines en Angleterre dans le centre et 15 jours, 3 semaines en France, soit à Paris, soit dans le centre de Beaumont-la-Ferrière. Donc, le profil sociologique des membres, comme souvent dans les mouvements religieux ou dans ce type de mouvements religieux, les personnes sont assez âgées. Par contre, ce qui est original, c'est que les hommes sont largement majoritaires. Alors, c'est souvent le contraire, oui. C'est ça, c'est souvent plutôt des majoritairement féminins, alors que là, vraiment, plusieurs personnes m'ont dit que c'était de plus en plus mixte, assez paritaire, mais j'ai vraiment observé une nette majorité d'hommes partout où je suis allé. Et en fait, avant, c'était pire, il paraît. Avant, il paraît que vraiment, les Krishnamurtiens, c'était 100% d'hommes, ou quasiment, quoi. Il y avait une femme égarée parfois, mais voilà.
Et donc, bah, ça a déjà cette originalité-là. Les membres sont très divers, c'est-à-dire qu'on a vraiment des gens très érudits, des gens qui sont des artisans. On a un public très diversifié, donc avec comme je dis, les gens sont plutôt âgés. Mais c'est vrai qu'à partir de 50 ans, 45-50 ans, il commence à y avoir un nombre significatif de personnes. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'éducation, parce que Krishnamurti a beaucoup parlé d'éducation dans ses textes, et il est connu pour ça, un peu pour être enfin, pour ses théories sur l'éducation. Et donc voilà, un public très divers, assez âgé, essentiellement masculin. Ils ont des pratiques communes, je reprends le diaporama par la fin, mais je reviendrai sur le point que je saute. Ils ont des pratiques communes qui vraiment les réunissent et qui créent quelque chose d'assez homogène quand même. C'est le végétarisme. Tout le monde est végétarien, peu de véganes, mais quasiment tout le monde est végétarien. Et de toute façon, sur site, quand on est au centre de Brockwood ou de Beaumont, on n'a pas le choix. Il n'y a pas de viande, il n'y a pas de poisson. Tous les gens qui s'intéressent à Krishnamurti, donc même dans les groupes locaux que j'ai pu rencontrer à Marseille ou ailleurs, sont aussi végétariens, lisent beaucoup Krishnamurti, écoutent beaucoup son message, écouter, c'est-à-dire bah, mettre des vidéos sur YouTube, donc les cassettes vidéo, etc., sont un peu passées de mode, mais avant, ça réunissait des vraies communautés, des gens qui se procuraient des cassettes vidéo et qui invitaient tous les gens intéressés. Ça réunissait des vraies communautés. Et donc, ils écoutent beaucoup, ils lisent beaucoup Krishnamurti et ils pratiquent le penser ensemble. Donc, c'est assez original, ça. Comment dire, c'est ce pourquoi est-ce que les centres existent finalement, d'une certaine manière. C'est pour se retirer, prendre du temps pour s'observer, pour vivre dans un environnement calme, pour être dans l'attention, dans cette forme d'attention qui permet le déconditionnement, mais aussi pratiquer le penser ensemble. Et penser ensemble, en fait, c'est des dialogues qui durent au moins 2 heures, c'est assez long. C'est des dialogues particuliers parce qu'ils sont très lents. Chacun, quand il parle, essaye de prendre un maximum de précautions pour ne pas essayer l'idée, c'est pas du tout d'imposer ma vue, d'imposer mon explication. C'est pas du tout un débat d'idées. C'est voilà un dialogue assez lent. Et ce qui est important, c'est de retour. Enfin, c'est même pas tant de faire avancer ses idées ou d'en parler, parce que de toute façon, les idées n'ont pas d'importance, n'ont pas d'intérêt. Mais c'est de voir ce qu'on éprouve quand les autres parlent, qu'est-ce qu'on éprouve quand on commence à aborder un sujet. Les sujets sont très réduits. À chaque fois, on décide d'un sujet en amont, au début de la conversation, et on s'y tient. Et est-ce que vous pourriez nous donner des exemples? Alors, oui, bah, par exemple, on a eu un dialogue qui était assez intéressant. Je vous retrouve la séquence dans mon mémoire. C'était en Angleterre. C'était en Angleterre, donc c'était une semaine qui était consacrée aux questions d'éducation. Et en fait, ces questions d'éducation donc, ont été abordées sous différents aspects. Au cours de la semaine, pendant différentes discussions. Donc, bah, c'était l'éducation parentale, l'éducation de l'école. Alors, j'ai peur de me perdre dans mes notes. Bon, je vais pas insister alors. L'idée, c'est que, voilà, on commence à parler d'éducation. Donc, par exemple, est-ce que l'éducation, problématique un peu générale, est-ce que l'éducation est nécessairement un conditionnement? Et à partir de là, on va essayer de définir l'éducation, mais encore une fois, sans créer de concept, sans essayer de figer les sujets, parce que une fois que les choses sont figées, elles sont mortes, il ne peut plus y avoir la vérité dedans. Et donc, qu'est-ce que l'éducation? Est-ce que l'éducation est nécessairement porteuse d'expériences douloureuses? Et donc, au fur et à mesure, comme ça, on va naviguer dans le sujet pendant 2 ou 3 heures, en donnant des expériences personnelles éventuellement, mais pas trop, parce que bah, sinon, on psychologise trop l'exercice. On peut citer des gens, des philosophes ou autres, mais pas trop, parce que sinon, bah, on rentre dans enfin, voilà, quoi, dans une doctrine. Et donc voilà, ça peut être la peur, par exemple, la violence. C'est un sujet qu'on a beaucoup traité à Beaumont-la-Ferrière. C'était la violence, et donc il fallait pas passer trop vite. Donc évidemment, bah, la violence peut être générée par la peur, mais en fait, le modérateur,
Il n'y a pas toujours de modérateur, mais il y en a quand même régulièrement. Le modérateur ne voulait pas qu'on fasse un saut de puce de la violence. Ah oui, mais c'est parce qu'elle a peur. Non, non, d'abord, il faut définir la violence, il faut explorer les modalités de la violence, en discuter tranquillement et voir ce que ça provoque à l'intérieur de nous. Pour Krishnamurti, l'altérité est essentielle, le rapport à l'autre est essentiel parce qu'en fait, c'est dans la discussion, c'est dans l'échange. Au fur et à mesure, il y a des émotions, des pensées, des idées qui vont être générées à l'intérieur de moi et que je vais devoir observer pour me libérer en fait. Donc la relation à l'autre, cet exercice de penser ensemble est vraiment une manière de se libérer d'une certaine manière. Et, enfin, Et les gens, vous avez interviewé les gens pour leur demander le bien que ça leur faisait? alors c'est assez intéressant. Il y a le bien que ça leur fait, c'est un petit peu compliqué de le résumer comme ça parce qu'en fait, comment dire, travailler là-dessus, c'est quelque chose, enfin, dans le sens de Krishnamurti, c'est quand même pas du tout une manière de se relaxer, une manière de se sentir bien, etc. De toute façon, on est conditionné, on est dans notre malheur, quoi, dans l'illusion de notre malheur, de notre souffrance. Le conditionnement ne peut entraîner que la souffrance. Donc, tant qu'on est conditionné, en fait, il n'y a que comment dire, des activités illusoires qui peuvent nous sortir de cette souffrance. Donc, en fait, c'est plutôt quelque chose de très sérieux et de potentiellement douloureux aussi de se plonger dans cette introspection. Et donc, en fait, les personnes témoignent que la plupart du temps, il faut 2, 3 jours pour que les dialogues prennent un bon rythme. Que les personnes s'expriment correctement, etc. Et ensuite, il y a des personnes qui témoignent que après avoir passé une semaine à faire se penser ensemble, 1 ou 2 fois par jour, ensuite il leur faut plusieurs jours pour redescendre parce qu'en fait, ils témoignent que ça a soulevé en fait tellement d'émotions, de pensées, etc. Qu'ils ont ensuite pour retourner travailler, ben, ils préfèrent prendre 2 ou 3 jours de congé pour se reposer après avoir fait cette séance de pensée ensemble. Donc, penser ensemble ou faire les introspections que propose Krishnamurti, c'est pas se ressourcer, hein. C'est essayer de se transcender. Et donc, c'est quelque chose qui est, ben, un peu comme Krishnamurti à travers son processus, c'est quelque chose qui peut être violent intérieurement. Et vous nous avez dit, là, vous êtes passé aux pratiques. Je pense que vous allez revenir à Oui. l'adhésion des Krishnamurtiens entre orthodoxie et syncrétisme. Voilà. Et donc, j'y reviens, j'avais un petit peu oublié ce point-là, mais en effet, c'est très intéressant. En fait, il y a 2 écoles, parce qu'il ne peut pas y avoir d'école vu qu'il n'y a pas de conditionnement, etc. Il y a 2 écoles tout de même chez les Krishnamurtiens quand on observe, quand on échange avec eux. Il y a le côté orthodoxe, donc ceux qui assument jusqu'au bout l'idée que, comment dire, ce problème du conditionnement et de la pensée. Et donc, ça génère et ce rejet des autres religions aussi. Parce que pour Krishnamurti, il n'y a pas de distinction entre faire du sport, prendre de la drogue et aller à l'église. C'est un conditionnement mécanique et répétitif, addictif, qui n'a d'autre vertu que de permettre à notre esprit de s'évader. Donc, en fait, quand je vais à l'église, je répète mes prières, etc. Je m'auto-hypnotise de la même manière que je pourrais me droguer dans mon canapé ou aller dans un monastère ou pratiquer de la planche à voile, quoi. Et je m'auto-hypnotise, je me change les idées pour éviter justement de regarder les conditionnements qui me font souffrir. Et donc, dans cette orthodoxie, en fait, tout est tout. Enfin, c'est compliqué parce que c'est toujours ambigu, parce qu'au final, la vie est conditionnement d'une certaine manière. Mais donc, pour eux, il ne peut y avoir aucun mélange de genre entre Krishnamurti et le yoga comme pratique sportive, pourquoi pas, mais ils sont quand même très méfiants aux questions énergétiques et autres qui peuvent être drainés par le yoga. Il y avait des stages de jeûne, par exemple, au centre de Beaumont-la-Ferrière, qui ont été supprimés par les orthodoxes. Ils ne s'appellent pas comme ça eux-mêmes. Ils n'apprécient pas qu'on les appelle comme ça. Mais voilà. Enfin, et donc, il y a toujours cette logique-là et qui rend en fait, voilà, à la fois le fait de parler de Krishnamurti. Par exemple, j'ai donné mon mémoire à corriger, à relire à certaines personnes du bureau de l'ACK, donc l'Association culturelle Krishnamurti, qui est le comité français. Et en fait, ils m'ont renvoyé un document complètement raturé, parce qu'en fait, chaque phrase.
Parce qu'en fait, chaque phrase, le fait de parler de Krishnamurti, c'est déjà l'interpréter. Le fait d'essayer de réfléchir Krishnamurti, c'est déjà commencer à l'interpréter, à le modifier, à y mettre nos conditionnements, etc. Et donc, en fait, à faire perdre la qualité initiale du message de cette espèce de méditation à voix haute que Krishnamurti nous propose, parce que je récupère un morceau ici, je récupère un morceau là, je les mets en relation et j'essaye de créer quelque chose d'intelligible et de simple, enfin, ou de simple pour la pensée. Mais la pensée, c'est ce qui nous tue. Donc, voilà, les orthodoxes, ceux que j'appelle comme tels en tout cas, sont dans cette situation-là. Ils sont minoritaires dans l'ensemble des Krishnamurtiens, mais ils sont assez. Mais la plupart du temps, c'est eux qui tiennent les organisations, en fait. Et Et donc, les syncrétiques, alors oui. ils sont en conflit plus ou moins ouvert avec les syncrétiques, qui en fait sont des gens qui considèrent que Krishnamurti s'intègre. Enfin, et donc là, en fait, ce que craignent les orthodoxes, c'est de faire une nouvelle théosophie. C'est en fait, pour les syncrétiques, le yoga, c'est très intéressant. Mathieu Ricard est quelqu'un de très intéressant avec son. Donc, il modère un petit peu le côté bouddhisme tibétain avec tout ce que ça a de folklore, etc., parce que c'est de la tradition, la relation maître-élève, tout ça. Il modère un petit peu, mais ils sont quand même très intéressés globalement par le bouddhisme, par le message christique, bien évidemment pas par l'Église catholique en tant que par les chapelles, mais ils sont très intéressés par le message de Jésus. Et donc, ils citent beaucoup le Tao, ils sont très intéressés par le taoïsme, ils sont très intéressés en fait par tout un tas de mouvements. On peut parler de système énergétique, de chakras, donc voilà, en fait, ils sont dans un logiciel. Ça sera peut-être un petit peu abusé de dire qu'ils sont New Age, mais voilà quoi, c'est Oui, mais en fait, c'est la théosophie, tout ça. La voilà, théosophie c'est ça, a tout mélangé, hein. Ouais. le message de Krishnamurti est central, mais à côté, et c'est important que Krishnamurti ait dit de tenir tout ça à distance, de ne pas se laisser illusionner, de ne pas se laisser obséder par les questions de chakras, de système énergétique, de Kundalini, etc. Mais en réalité, ça les intéresse beaucoup et ils font beaucoup de yoga et ils sont dans une logique beaucoup plus syncrétique. Et donc, il y a ce combat perpétuel entre les syncrétiques qui ont envie de faire du yoga Kundalini, des stages de jeûne et des études de textes divers et variés dans les centres et les orthodoxes qui s'opposent à toute forme de déviance, mis à part ces dialogues qui permettent de se connaître et l'écoute de Krishnamurti. Et en dehors de ça, si je dis point de salut, je les provoquerai, mais voilà quoi, en dehors de ça, point de salut. D'accord. Alors, maintenant, donc, est-ce que vous pouvez nous parler, puisque c'est vous qui avez eu l'idée de parler des péripéties du comité belge? Ouais, c'est assez amusant. Je n'ai pas visité le comité belge et comme souvent dans le petit microcosme Krishnamurti, mais aussi souvent dans les religions, tout le monde, quand on commence à poser des questions, nous dit non, non, tout va bien, il n'y a aucun problème. Tout le monde s'entend très bien, mais j'ai entendu pas mal de témoignages sur le fait qu'il y avait eu beaucoup de conflits à l'intérieur du comité belge parce que certaines personnes ne voulaient plus que Krishnamurti soit cité lors des dialogues, lors du penser ensemble. Parce que si on citait trop Krishnamurti, c'était une manière de se conditionner, de l'idolâtrer, etc. Et donc, en fait, il y a eu différents débats sur un peu méthodologiques, comme ça, un peu de principe, et bon, manifestement, d'autres querelles de personnes, etc., qui ont fait que le comité belge s'est scindé en deux. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que toute une partie des gens n'ont pas voulu prendre part pour l'un ou pour l'autre, un peu dans la logique, si vous voulez faire des chapelles à l'intérieur du comité qui est censé réunir tout le monde, nous, on s'en va. Et en fait, j'ai rencontré quelqu'un qui avait atterri chez les émotifs anonymes. Voilà, on en parlait la semaine dernière, oui. Vous pouvez nous expliquer un petit peu. Je crois que quelqu'un d'autre s'était plus renseigné que moi sur les émotifs Yanis. anonymes, s'il veut intervenir. Mais je Yanis, vous vais voulez derrière prendre la moi. parole pendant 2 secondes? Oui, j'ai regardé vraiment très rapidement, j'ai juste comparé, en fait, ça ressemble énormément à Alcoolique aux anonyme. associations d'alcooliques anonymes et ça reprend exactement les mêmes termes selon leur site internet. Donc, c'est pour les personnes qui ont des difficultés à gérer leurs émotions et donc ils se retrouvent ensemble et ils discutent et voilà, pareil que les alcooliques anonymes, Mais exactement. j'adore le terme émotif anonyme. Et en Très fait, bien, merci Yanis. Merci beaucoup pour cette précision.
Et donc, en fait, on retrouve un petit peu chez les émotifs anonymes ou chez les alcooliques anonymes, finalement, il y a cet exercice de parler, de ne pas mettre de jugement sur ce qu'on dit, de ne pas essayer de convaincre les autres que ce qu'on dit, c'est la vérité, d'observer ce que les autres, ce que ça génère. Enfin, quand on écoute quelqu'un parler, observer à l'intérieur de toi, de soi, ce que ça génère comme émotion. Donc, on est un petit peu sur. Enfin, il faut nuancer, mais on est un petit peu sur la même démarche entre le penser ensemble ou les dialogues krishnamurtiens et les dialogues d'alcooliques anonymes. Et donc, il y a les émotifs anonymes qui existent. Et au final, une partie des membres ont dit, bah, nous, on quitte le comité parce que de toute façon, le comité n'a pas d'autorité, le comité n'est pas un essentiel pour rentrer en connexion avec le message de Krishnamurti. Par contre, on aime cette pratique du penser ensemble, donc ils se sont retrouvés chez les émotifs anonymes. Donc j'ai trouvé ça assez Ça fait pas assez. sérieux quand même, je suis désolée. Moi, j'adore ce truc-là. Bon, et alors, après, vous vouliez nous parler justement de l'impossible prosélytisme. Voilà, donc là, juste, c'est en forme de conclusion sur ce que je viens de dire sur les fondations, les comités. C'est en fait, j'ai discuté avec qui était à Brockwood au moment où je me trouvais aussi. C'est le. Alors, je ne sais pas exactement quel est son titre, mais grosso modo, c'est le directeur de la communication de la Krishnamurti Foundation of America, pardon. Donc, c'est la fondation américaine, et donc, c'est la personne qui s'occupe du marketing et de la communication là-bas. Et donc, en fait, il me disait que c'était extrêmement compliqué de communiquer sur Krishnamurti parce que on ne peut pas capitaliser sur le maître. Parce que il faut pas, sinon c'est l'idolâtrer, etc. On ne peut pas capitaliser sur un spécialiste, un interprète, des universitaires ou autres, parce que pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées, il ne peut pas non plus capitaliser sur des symboles, il ne peut pas mettre en avant. Et donc au final, par respect pour la parole de Krishnamurti, il se retrouve finalement un petit peu dos au mur et il me confiait que c'était extrêmement compliqué de communiquer sur Krishnamurti. Donc bon, c'était aussi un défi extrêmement intéressant pour sa profession de marketeur, etc. Mais c'était extrêmement compliqué et dans la discussion, il y avait une jeune fille qui était très impliquée dans le comité italien. Donc le comité Krishnamurti d'Italie. Et en fait, ils ont voulu faire un site internet et elle les a aidés. Et donc, c'était des personnes âgées, surtout, qui étaient autour de cette jeune fille qui essayait de dire, bon, on va faire un site un petit peu sympa, un petit peu attirant. Mais en fait, ils n'ont pas voulu mettre en avant des monuments relatifs à l'Italie ou autre, parce que c'est du conditionnement, c'est du patrimoine, ça n'a rien à voir avec Krishnamurti. Ils n'ont pas voulu mettre en avant Krishnamurti, ils n'ont pas voulu mettre trop en avant la nature non plus, parce que au final, Krishnamurti, c'est pas du chamanisme, c'est pas on fait des gâtés aux arbres, etc. Et donc au final, elle disait qu'elle s'arrachait les cheveux parce qu'elle était face à une page blanche et toute proposition était nécessairement problématique, discutée, discutable, etc. Et manifestement, en Europe, les Américains ont certaines initiatives qui sont quand même très sympas autour de comment communiquer Krishnamurti. Il y a, je vous ai mis en lien à la fin, Beyond Myth and Tradition, Oui. désolé pour l'accent, Non. qui est une série en fait où ils ont récupéré des petits morceaux de conférences, ils les ont mises les unes derrière les autres. Voilà, c'est le premier lien que vous On n'a pouvez. qu'à faire une capture d'écran si vous voulez conserver toutes ces informations. Voilà, donc continuer à décrire un petit peu, on reviendra peut-être à la fin sur les références. Et donc, il y a cette série qui est assez intéressante, mais qui est problématique aussi, parce qu'en fait, ils ont récupéré des parties et ils les ont réagencées pour arriver à faire quelque chose de simple et d'un peu dynamique. Donc voilà, ils ont aussi fait un site récemment qui s'appelle, donc désolé pour l'accent, hein, theimmeasurable.org. Donc c'est l'immesurable.org. J'ai pas mis le lien là, mais vous pourrez le retrouver, theimmeasurable.org. Et donc en fait, ça c'est récupérer des discours de Krishnamurti, très modifiés avec des ambiances sonores derrière, etc., pour rendre vraiment le contenu attractif et agréable à l'oreille, et des images vraiment
très belles images comme on peut en faire aujourd'hui avec des oiseaux qui décollent, avec la mer qui scintille, etc. Et donc, c'est très agréable de voir le message de Krishnamurti présenté de manière moderne comme ça. Et alors que bah, la Fondation d'Angleterre a sorti une vidéo en 2016 et c'est poussiéreux, c'est des enregistrements un peu bruts avec des images d'archives, et c'est par respect en fait par sa parole, en tout cas ce qu'il considère comme étant le respect pour sa parole, et que de faire une communication un peu en demi-teinte comme ça. Et donc c'est assez dommage finalement, enfin dommage et compréhensible de voir un petit peu, ils sont au milieu du gué, ils ont du mal à trouver un équilibre dans la communication. Voilà. Alors justement, est-ce que vous pourriez là en conclusion nous parler de son héritage? On a bien compris que c'était difficile, mais est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors voilà, donc je vais passer rapidement là-dessus. Donc pour dire que c'est quand même un personnage très influent. En 99, le Time Magazine a désigné Krishnamurti comme l'un des cinq saints du XXe siècle, l'un des cinq maîtres spirituels incontestables et majeurs du XXe siècle. Aujourd'hui, donc comme on le disait, les organisations sont relativement modestes, sont en repli. Pour la plupart, le nombre de membres diminue, le nombre de donations diminue, le nombre de recherches sur Google diminue, etc. Mais on peut remarquer que il y a de nombreux groupes ésotériques qui s'en inspirent en tout cas. Il est étudié par des bouddhistes, par des hindous. Il y a par exemple Sadhguru qui est un gourou indien très influent aujourd'hui, qui a fait une vidéo il y a un an tout juste sur Krishnamurti, où il nuance un petit peu son message, où il le discute, mais bon, il passe quand même un quart d'heure à en parler. Il y a certaines loges maçonniques où j'ai découvert sur gadlu.info, qui est un site maçonnique, des textes de Krishnamurti qui sont réfléchis, débattus. Il est très influent au niveau du New Age, comme on a pu en parler, même s'il s'en distingue sous de nombreux aspects, comme on a pu le voir succinctement. Il y a des conférences sur Krishnamurti qui sont données chez les Rose-Croix. Les théosophes continuent de recevoir des Krishnamurtiens, notamment indiens, pour discuter de Krishnamurti. Donc, on voit qu'au niveau religieux, Krishnamurti en tant que tel est en déclin, en tant que leader spirituel sur son nom à lui, c'est en déclin, mais par contre, il y a toute une nébuleuse de mouvements qui, en fait, récupère son message, le discute, le nuance, n'accepte pas complètement sa radicalité, parce que il y a du symbolisme, il y a des doctrines, il y a des rituels dans ces mouvements-là, donc ils n'acceptent pas la radicalité de Krishnamurti, mais ils considèrent quand même que c'est un penseur extrêmement intéressant pour leurs travaux. Et ensuite, on peut citer des grands noms comme Jacques Attali, qui lui a consacré un article sur son blog, Frédéric Lenoir, donc, qui en parle, qui a consacré deux émissions. Il faisait une émission sur France Culture, Les Racines du Ciel. Il y a consacré deux longues émissions et régulièrement, il parle de Krishnamurti. Lilian Thuram, c'est assez original d'entendre le témoignage de l'importance que Krishnamurti a dans la pensée de Lilian Thuram autour de la tolérance, de la lutte contre le racisme, etc., et même dans sa spiritualité propre. Et par exemple, je lisais récemment « Religion en dialogue » de Jean Moutapa, qui également consacre un gros chapitre à Krishnamurti. Donc c'est vraiment un auteur encore très influent, très discuté et par des intellectuels quand même d'un excellent niveau, quoi. Jean Moutapa notamment, c'est le directeur de collection sur les spiritualités chez Albin Michel. Donc c'est un éditeur, voilà, très bien. Alors notre dernière image, voilà, l'héritage, hein. C'est un petit peu la suite de ce que vous venez de nous dire. Voilà, c'est ça. Donc, je ne sais pas exactement où on en est du temps, mais je vais essayer d'aller assez vite. C'est bon. Un petit exercice de prospective. En fait, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que l'une des personnalités influentes aujourd'hui qui vraiment se revendique de Krishnamurti, il s'en revendique pas de manière très... Donc c'est Pierre Rabhi, le fondateur des Colibris, que je suppose tout le monde connaît, ce paysan d'Ardèche qui est proche de Cyril Dion, qui est proche de Françoise Nyssen,
la directrice des éditions Actes Sud, et ancienne ministre de la Culture. Enfin bon, donc c'est quelqu'un, pour le coup, de très influent intellectuellement, Pierre Rabhi. Et donc, ça a été un catholique quasiment intégriste, ça a été un anthroposophe. Mais aujourd'hui, en fait, il dit que vers 40-45 ans, il a eu une espèce de crise existentielle, un désespoir profond. Et en fait, il dit, c'est vraiment ses mots, Krishnamurti m'a littéralement sauvé du désespoir. Je n'ai jamais été aussi spirituel que depuis que je n'ai plus de religion, grâce à Krishnamurti. Et donc, bon, il le compare à Socrate et d'autres personnes qui l'inspirent beaucoup. Il lui consacre des chapitres dans certains de ses livres. Et donc, en fait, c'est très intéressant parce qu'en plus, les adeptes de Krishnamurti sont parfois chez les Colibris également. Donc, ils sont à la fois à la CK, qui est donc une toute petite organisation. Vous pouvez nous expliquer un petit peu les Colibris? Alors, les Colibris, c'est une association, il y a des centres en France, il y a plein de petits relais, donc, c'est rigolo parce que ça s'organise un petit peu comme les groupes Krishnamurti, en fait. Et en fait, les Colibris, c'est l'idée, le système a complètement déraillé, la pollution, l'aliénation dans les villes, etc. Et donc, en fait, les Colibris, c'est ceux qui essayent d'éteindre cet incendie de modernisation, de pollution, de course en avant, de fuite en avant, etc. Et donc, en fait, c'est ceux qui essayent d'éteindre cet incendie en faisant un retour à la terre, en se mettant à la permaculture, en faisant pousser ce qu'ils mangent et en ayant un petit peu cet idéal de non-violence. Donc, on est dans, et donc, ils se réunissent par communauté, ils font des formations sur la permaculture, ils font des conférences diverses et variées sur les problèmes climatiques, les enjeux écologiques et autres. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une porosité des adeptes, que Pierre Rabhi, vraiment, sa figure tutélaire, on pourrait dire, c'est Krishnamurti. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que les adeptes de Krishnamurti, pas tous, hein, parce que comme on a dit, ils sont très diversifiés, chacun a sa ligne, a sa propre vérité quelque part, ce en quoi ils sont en raccord avec l'injonction de Krishnamurti. Mais beaucoup d'entre eux parlent de permaculture et de collapsologie. Alors, ça m'a beaucoup intéressé, parce que la collapsologie, pour en dire un mot, c'est l'idée que le système va s'effondrer, le système économique, capitaliste va s'effondrer, donc de manière plus ou moins rapide, mais évoué à sa perte dans les années prochaines, et que ça va entraîner un changement culturel, civilisationnel, etc., très profond, nécessairement, si on n'a plus les avions, les voitures, le pétrole, la pétrochimie et autres, tout va changer. Et donc, en fait, beaucoup de personnes parlent de collapsologie et beaucoup de personnes parlent de permaculture. Et la permaculture, pour bien comprendre ce que c'est-à-dire reproduire les interactions entre les espèces qui préexistent, en fait, à l'agriculture, dans les forêts, dans les prairies, etc., et essayer de renouer les amitiés entre végétaux qui permettent de produire de la nourriture de manière beaucoup plus saine et sans intrants chimiques, etc. Est-ce que ça rejoint aussi les pratiques agricoles de l'anthroposophie de Steiner? La permaculture, en fait, est arrivée après l'anthroposophie et les techniques agricoles de l'anthroposophie, donc ça s'en inspire, mais en même temps on est la bioénergie plutôt, oui, Steiner, voilà. Oui. On est moins loin, on est quand même moins loin dans les cycles lunaires, astro, les rituels pour faire parce qu'en fait l'idée dans la permaculture, c'est pas de faire des rituels, c'est simplement de recréer les équilibres naturels qui préexistent à l'homme. On ne met pas de bouse de vache dans des cornes de vache. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de logique particulière avec la lune, etc. Ça peut exister. Après, chaque permaculteur fait son... Mais voilà. Et donc, en fait, c'est très intéressant parce que la permaculture, en y réfléchissant un petit peu, la permaculture est un rituel qui revient à recréer un équilibre naturel, mais... pas un équilibre naturel conceptualisé par l'homme, parce qu'en fait l'homme se contente d'observer la nature et c'est la vertu de la nature. Pour Krishnamurti, le sacré, c'est ce qui n'est pas créé par la pensée. Donc en fait, si je sacralise la nature, là c'est plus du tout sacré, c'est que de la pensée, c'est que du rituel, c'est que de l'illusion, que du conditionnement. Par contre, la nature en elle-même, comme elle n'est pas créée par la pensée, comme elle est la création elle-même, là, de ce point de vue-là, elle est sacrée. Et donc en fait, de faire de la permaculture, c'est une forme de rituel pour recréer cet équilibre préexistant à la pensée entre l'homme et la nature, et penser que notre mode de vie, obsédé par le faire, par l'envie, par la pensée, par les structures intellectuelles, etc., va nous amener à l'effondrement total de la civilisation. Et donc,
on retrouve une forme d'eschatologie. Donc c'est assez intéressant de voir que la pensée de Krishnamurti soit se dilue dans des organisations religieuses autres, les francs-maçons, les Rose-Croix et j'en passe, soit en fait récupère de manière extrêmement intelligente à mon sens des éléments qui sont rationnels, qui sont quasiment scientifiques, la permaculture, technique d'agriculture, la collapsologie. Si on en croit le club de Rome, et de plus en plus, manifestement, ils avaient raison, on arrive vers la fin d'un modèle. Et donc, en fait, vous voyez, on est à mi-chemin entre la recréation d'une religion et les concepts de Krishnamurti, de manière pris un petit peu au pied de la lettre pour ce qu'ils sont. Et comment vous agencez ça avec justement le Vedanta? Alors, c'est parce que, pour finir ce petit exercice de prospective, qui vaut ce qu'il vaut, qui peut être débattu. Non, mais c'est passionnant, justement. Mais, dans le cours de Alain Rocher, donc un grand érudit, professeur aussi dans le master religion et société, qui a fait un cours sur les religions de l'Inde. En fait, il nous parlait à un moment donné du Vedanta. Et donc, le Vedanta, Advaita Vedanta, c'est une espèce de philosophie moniste, hyper minimaliste, extrêmement radical, qui ressemble beaucoup à ce que je vous ai dit de Krishnamurti. C'est en fait, il faut dépasser l'illusion du monde par le dépouillement, par le retour sur soi, et il faut réaliser que tout est un, que un est tout. Et en fait, une fois qu'on a dit ça, cette philosophie très minimaliste, finalement, ne fait que se répéter, un petit peu comme Krishnamurti, qui se répète beaucoup dans ses différents livres. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est devenu une école philosophique très influente, très respectée, qui s'est énormément développée, et puis qui petit à petit a perdu de son autonomie et a fini par être réabsorbée par le vishnouisme. Et là, pour le coup, on retombe dans un hindouisme complètement traditionnel, avec les rituels, les croyances, les dieux, la mythologie, ce que le Vedanta avait justement évacué, parce qu'il considérait que, à la limite, d'un point de vue symbolique, ce n'était pas complètement inintéressant, mais ce n'était pas ça la vérité, ce n'était pas ça la vraie voie, les dieux n'existaient pas en tant que tels, les rituels n'avaient aucune fonction en tant que tels, etc. Et donc en fait, l'idée, enfin, ce n'est même pas une idée, mais c'est le constat que j'ai fait en observant que Krishnamurti, sur son nom, réunissait de moins en moins de monde, mais que son message se diffusait de plus en plus dans des mouvements religieux ou se rapiécer avec d'autres concepts divers et variés. En fait, peut-être que Krishnamurti, qui a un message très proche du Vedanta, est en train de suivre le même mouvement, c'est-à-dire il a eu un moment où il a attiré beaucoup l'attention, et là maintenant il est en train de s'essouffler, et donc il devient une école philosophique à l'intérieur de mouvements religieux bien en place. D'accord. Et alors justement, puisque, merci, alors, je vous montre mon écran actuel, qui est justement un temple magnifique hindou, et c'est la reconquête, si vous voulez, du territoire américain, non pas par justement les suiveurs de Krishnamurti, mais c'est par les hindous, les immigrants indiens qui construisent aux États-Unis parmi les plus grands temples hindous de la planète, en marbre de Carrare. Ça, c'est au Texas, c'est à côté c'est en Géorgie, c'est à côté d'Atlanta, il y a le même à côté de Houston, etc. Bon, c'était tout ça pour vous donner une idée. Alors, Vincent, je vous remercie infiniment. Vous avez toujours le même enthousiasme. On pourrait encore passer 3 heures à vous écouter. Et maintenant, je vais demander si le public a des questions à poser. Moi, je n'en ai plus aucune, puisqu'on a déjà parlé de tout ça. Est-ce que vous avez des questions? Alors, moi, j'ai Benoît. Alors, une question. Benoît, qui est où, là, Benoît? Je remets la caméra. Hop. Alors, d'accord, voilà. La caméra, je mets la galerie. Et mettez la petite main, comme ça. Vous savez, il y a la petite main en bas. Vous avez réaction. Vous vois en haut à gauche, là. Voilà, c'est ça. Voilà, moi, j'ai une question. Donc, j'ai remarqué qu'il avait été noté qu'on parlait d'abolition du passé, de l'autorité, de la relation maître-élève et de l'abolition de la tradition. Ça me fait beaucoup penser à des formes d'anarchisme. Et je voulais savoir si il y avait eu des groupes qui s'étaient revendiqués de Krishnamurti pour défendre une forme de violence à l'extérieur des groupes dont vous avez parlé et pour éventuellement entrer dans une forme de lutte. Alors,
Des formes de violence, non, parce que clairement, le message de Krishnamurti est complètement pacifiste et ne peut, lui-même, à aucun moment donné, en fait, si vous exercez de la violence, c'est que vous croyez que vos principes, vos valeurs sont supérieurs à d'autres, et donc, en fait, on retourne dans des logiciels et contre-logiciels de pensée qui s'opposent. Par contre, j'espère que je vais arriver cette fois-ci à retrouver vite fait, bien fait, le passage de mon mémoire qui traite de ça. Mais effectivement, Krishnamurti, voilà, c'est ça. Krishnamurti a inspiré pas mal d'activistes politiques, enfin pas mal. Ça serait quelque chose à chercher, parce que je pense qu'il y a quelque chose. Déjà, il faut savoir que Mahatma Gandhi a rencontré Krishnamurti. Et ils ont eu des discussions et Mahatma Gandhi était proche de la théosophie, a été inspiré par Krishnamurti au moment de l'indépendance indienne. Et d'ailleurs, il y avait une relation de fascination réciproque entre les deux, entre Gandhi et Krishnamurti. Par ailleurs, j'ai repéré un article du Monde de 1990 où l'auteur rapporte l'influence de Krishnamurti sur des manifestations étudiantes soutenues par le Parti communiste. Donc, en France ? Oui, en France. Ah bon ? Donc, c'est assez… voilà, c'est quelques manifestations étudiantes en 1990. Voilà, donc on est un petit peu sur des niches. Ensuite, dans ce que j'ai trouvé, j'ai vu aussi que Krishnamurti s'était exprimé, un membre du comité français Krishnamurti m'a dit que lui, il avait participé aux événements de mai 68 et qu'en fait, quelques jours avant les événements, il avait été à des conférences de Krishnamurti à la Sorbonne et que les amphithéâtres étaient manifestement bien remplis, quoi. Et donc, on ne va pas prétendre que c'est Krishnamurti qui a généré les événements de mai 68, mais c'est vrai que j'ai eu plusieurs discussions comme ça où je suis tombé sur des articles. Il y a aussi, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez la chaîne Thinkerview, qui est une chaîne qui se revendique justement de l'anarchisme, de la mentalité hacker, etc. Et en fait, très, très régulièrement, il y a Barbara Stiegler, Michel Onfray, différents intellectuels comme ça qui s'expriment et quasi systématiquement, l'intervieweur leur dit « Est-ce que vous connaissez Krishnamurti ?» et les interroge en lien avec, comment dire, sur des formules de Krishnamurti du type, le patriotisme est une forme de tribalisme, ou alors il leur demande aussi « Est-ce que être en bonne santé ou être adapté à une société malade, est-ce que c'est pas un signe de maladie aussi que d'être adapté à une société malade ?» Et ça, c'est une citation dont on a perdu l'origine, mais en fait, c'est Krishnamurti qui l'a. Et j'entendais encore un activiste politique de Mediapart d'extrême gauche, Usul, citer cette phrase-là, mais manifestement, il ne savait pas que c'était Krishnamurti qui en était l'inventeur, entre guillemets. D'accord. Donc, pour répondre à votre question, j'ai pas fait d'études spécifiquement là-dessus, mais c'est vrai que c'est une des ouvertures dans mon mémoire que de se demander. Quelle est l'influence de Krishnamurti justement sur l'anarchisme? Mais par contre, je pense qu'il ne faut pas chercher du côté de la violence parce que Krishnamurti était profondément contre toute forme de violence. Alors, il y a une question aussi d'Anna Carla. Je vois la petite main jaune sur l'image d'Anna Carla. Ah, mettez votre micro, Anna Carla. Pardon. Elle a disparu? C'est bon, ah, vous m'entendez? Oui, voilà, c'est bon, oui, oui. Ok. Bah, déjà, merci pour cette intervention. Merci aussi de m'avoir invité, Bernadette, parce que bon, franchement, j'ai appris plein de choses. C'était super intéressant. Du coup, je me suis demandé, alors je ne sais pas si vous avez forcément vous intéressé à cette question, je ne sais pas si j'ai loupé un passage parce que j'ai dû sortir pour prendre une tasse de thé. Du coup, je me demandais, comment est-ce qu'on arrive à déconditionner, Arna Carla. Comment ? Vous déconditionner. Non, pardon, allez-y. Je me suis demandé comment est-ce que les gens arrivent à rejoindre ce mouvement, c'est-à-dire que comme il n'y a pas forcément un prosélytisme, comment est-ce qu'arrive-t-il dans ces espaces et aussi, comment est-ce qu'ils s'intègrent, comment ça se passe sur leur intégration et est-ce qu'ils arrivent à se situer dans cette tendance comme vous avez parlé qu'il y a d'un côté des orthodoxes des syncrétiques est-ce qu'ils arrivent à se situer aussi dans ces tendances ou pas ou comment ils perçoivent cela donc voilà je me suis posé ce type de questions
D'accord, ben, merci pour ces questions. C'est vrai qu'elles sont intéressantes. La plupart des gens que j'ai rencontrés, grosso modo, leur cheminement spirituel, enfin le cheminement qui les avait amenés à intégrer ces organisations, intégrer est un grand mot dans le sens où on y vient, mais on ne devient pas voilà, un chanoine du krishnamurtisme. Quoi. Et donc, en fait, comment est-ce qu'on arrive dans ces groupes? Ben, la plupart des gens découvrent Krishnamurti par hasard au détour d'une vidéo sur YouTube, d'un livre, de quelqu'un qui leur dit, voilà, quoi, qui leur conseille un ouvrage de Krishnamurti. Et en fait, le problème avec Krishnamurti, c'est comme je disais, c'est quand même très compliqué à comprendre dans le sens où il n'y a pas de concept. Et donc, en fait, quand on fait le retour sur soi-même, c'est compliqué de trouver une issue en fait à cette espèce d'introspection et surtout que l'éveil est instantané chez Krishnamurti. Il n'y a pas de processus, il n'y a pas de ah oui manifestement vous avez progressé sur le chemin. C'est soit vous êtes conditionné, soit vous êtes complètement libéré, mais il n'y a pas d'entre deux. Et donc en fait les gens finissent par certaines personnes, ce qui est très intéressant aussi c'est qu'il y a beaucoup de groupes qui ne sont pas dans les organisations que j'ai étudiées, c'est-à-dire que bah, nous par exemple on peut se rendre compte qu'on n'habite pas loin et organiser chez moi ou chez vous des pensées ensemble, des discussions, des visionnages de Krishnamurti qu'on débattra par la suite, etc. Donc il y a toute une nébuleuse de gens qui ne sont pas que krishnamurtistes, la plupart du temps ils sont syncrétiques aussi. Et qui font ça en marge. Et ensuite, il y a une partie des gens qui, en cherchant sur Internet, finissent par trouver des séminaires organisés par les fondations, les fondations ou les comités, et qui donc naturellement les contactent. Et ben, c'est assez facile. En plus, c'est très peu onéreux. Une semaine là-bas, vraiment tout compris, ça doit coûter 300 euros logé, nourri blanchi, quoi, en gros. Et avec bah, ces échanges quotidiens autour de Krishnamurti, des visionnages de vidéos, des archives à disposition. Et donc, voilà comment est-ce que les gens s'y retrouvent. Mais au final, peu de gens s'y retrouvent. Et ouais. Pour juste préciser sur comment est-ce qu'ils s'inscrivent dans l'opposition orthodoxie-syncrétisme, en réalité, ils ne s'inscrivent pas parce que personne ne dit ça. Et personne n'identifie ces deux courants. En fait, il y a des gens qui trouvent qu'il y a des krishnamurtiens, enfin, même krishnamurtiens, ça n'existe pas dans leur terminologie. C'est vraiment... tous ceux à qui j'ai présenté mon mémoire ou à qui j'ai parlé de Krishnamurti ont été outragés par ce terme. Non, c'était... Alors, moi, il me semble que parce que j'ai rencontré pas mal de gens qui le connaissaient, il me semble que la plupart en fait, des gens intéressés par Krishnamurti se contentent de lire ses livres. Ils ne font pas partie de la moindre organisation ni rien. Ils achètent les livres et puis ils le digèrent. Hein. Ouais. Et pour la petite partie, ensuite, il y en a quelques-uns qui rejoignent les organisations, mais ils ne s'inscrivent pas là-dedans. Soit ils viennent en s'intéressant à d'autres mouvements et donc bah, ils trouvent que les gens qui ne veulent parler que de Krishnamurti sont assez lourds et fermés. Et inversement, ceux qui viennent en disant bon, bah, il n'y a que Krishnamurti bah, considèrent que c'est les autres qui sont un peu perchés. Quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les amis? Je vois pas mal de questions dans les... Alors oui, donc là, si on lit tout ça, est-ce que vous avez lu? Alors, j'ai Mahmoud Gouda, bonjour. Voilà. Alors ensuite, il y a David qui nous conseille le Vipassana à la pleine conscience. On en avait parlé la semaine dernière. Est-ce qu'il y a un lien avec la pleine conscience? Mais bon, on avait expliqué que c'était quand même un petit peu différent. Ensuite, il y a Claire qui nous dit il y a un très bon film franco-belge avec Benoît Poelvoorde au sujet des émotifs anonymes. Il s'appelle comment le film, Claire? Remettez votre micro si vous êtes là. Il s'appelle Les émotifs anonymes. Ah, il s'appelle Les émotifs anonymes. Voilà. Bon, ça il va falloir qu'on le regarde. Alors après, il y a quelqu'un aussi qui nous parle de Thich Nhat Hanh. Ça, c'est Benjamin qui travaille sur Thich Nhat Hanh. Voilà. Alors après, il y a David. En fait, pardon, Bernadette, c'est une. Oui. Apparemment, c'est une thèse intitulée. Oui, d'accord, mais je regardais juste le haut, là, oui, de votre message. Hein. Ils font le parallèle entre eux, justement. Ils font discuter Krishnamurti et Thich Nhat Hanh. D'accord, très bien. Est-ce que, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que Meg, qui est censée être là, puisque je vois son nom, est-ce qu'elle pourrait ouvrir son micro et nous dire rapidement.
ce qu'elle, j'éteins l'enregistrement, ce qu'elle nous propose pour la prochaine, le 11. Vous êtes là, Claire, Meg? Oui. Oui. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. D'accord, désolée, je ne suis pas chez moi là, mais je vous écoute de loin. Donc, pour la semaine prochaine, j'avais proposé jeudi soir à 18h. Oui, ça, on a eu l'horaire. Ah, voilà, ça serait jeudi de la semaine prochaine à 18h. Tout le monde sera chez soi, puisqu'on oui, est voilà. obligé. On est conditionné, voilà. Tout à fait, oui. Oui, 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 oui. Et de quoi vous allez nous parler? J'espère pouvoir parler de William Barber, donc un révérend américain noir qui est en train de faire. Alors, bon, on vous a perdu. Mais qui en... dans le contexte actuel. On vous entend mal, on vous entend mal, Meg. Mais voilà, c'est une espèce de nouveau Martin Luther King qui essaie de mener les gens par le christianisme, bien sûr, parce qu'il est, c'est un prédicateur chrétien, hein, mais vers la voie d'une grande, plus grande égalité sociale aux États-Unis, moins de racisme, etc. Bon, je pense tout à que, fait. Sauf, voilà, parce qu'on vous entend mal. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ici qui voudraient changer? Je suis ravie en tout cas qu'il y ait autant de monde qui soit venu. Vous êtes 26. Mahmoud, vous êtes en France ou vous êtes en Égypte? Mettez votre micro, il faut mettre votre micro. C'est bon, vous m'entendez là? Oui, c'est bon, oui. Oui, là, je suis à Paris actuellement. Ah, bon, d'accord, bon. D'accord, très bien. Mais c'est très bien de nous avoir rejoints. Ah, bah, écoutez, vous êtes un grand nombre. Là, c'est parfait. Claire, vous êtes merci toujours à vous, en France. Merci pour cette invitation. Voilà, mais Claire est à voilà. Rouen, toujours. Alors voilà, donc ça, c'est pas mal d'anciens du master hein, quand même. Hein, voilà. Ça, alors, Eric, ça sera toi une prochaine fois. Il faudra qu'on travaille au format de notre communication. Voilà. Bon, bah, écoutez. On va peut-être se dire au revoir, sauf si vous avez plein d'infos. Moi, je peux envoyer le PowerPoint si vous voulez, mais bon, il n'y a pas, vous l'avez vu en face. Je vous avais envoyé le petit topo sur la théosophie. En tout cas, je voudrais vous remercier encore une fois, Vincent, parce que c'était vraiment passionnant. Et puis alors, comme vous le connaissez très bien et que vous présentez ça de façon excessivement vivante, c'est passionnant, vraiment. Hein. Alors, est-ce que vous allez continuer à publier là-dessus? Déjà, je devais publier un article qui prend un peu de retard, mais avec le magazine La Revue Mouvement Religieux sur le penser ensemble, justement, faire un article sur cette pratique un peu particulière, un peu minimaliste. Et ensuite, je continue mes recherches. J'ai aussi vu une petite maison d'édition, La Signatura, qui fait des choses très intéressantes sur l'ésotérisme et autres, et qui a publié sur Vimal Attakar. Donc, c'est un gourou qui s'est beaucoup inspiré de Krishnamurti. Et donc, je vais leur proposer un peu mes travaux. Et comme vous le disiez, je continue à faire beaucoup de recherches sur le rêve lucide. Et notamment des groupes vraiment surprenants et amusants aux États-Unis qui pratiquent ça et qui mélangent ça avec l'ufologie, tout ça. Donc voilà, je continue mes travaux. Mais vous aviez demandé à Jean Moutapa pour une publication oui. éventuelle, il n'avait pas accepté alors? Non, il n'avait pas accepté, il avait considéré que le sujet était un peu trop une niche pour faire l'objet d'une publication. Mais sinon aussi, je donne régulièrement des conférences, là un peu moins en ce moment, mais dans des universités populaire notamment sur Krishnamurti, sur la spiritualité laïque et autres sujets comme vous l'aviez dit. D'accord. Et le rêve lucide, c'est quoi? Alors le rêve lucide, c'est le fait au cours d'une nuit de prendre conscience dans mon rêve que je suis en train de rêver. Et d'accord. Donc en fait, il y a des exercices pour le faire et les bouddhistes, les chamans et des mouvements New Age utilisent ça à diverses fins en considérant que le rêve est différents univers, donc parce qu'ils ont des technologies. Jeudi 11 à 11h. Alors, Suzy, il faut que je ferme le... Oui, d'accord. Voilà, donc c'est vraiment un sujet très intéressant parce que c'est peut-être l'une des premières pratiques religieuses. Enfin, le rêve, selon certaines théories, est un peu l'origine de cette idée qu'il y a un autre monde, on peut contacter les ancêtres, etc. Et il y a des formes vraiment ultra modernes et en passant par le bouddhisme, le chamanisme, etc. Et c'est donc voilà, c'est un sujet qui vraiment m'intéresse beaucoup en ce moment. Très bien. Écoutez, je vous remercie à tous d'avoir été fidèles.